avez eu le Covid. Oui. Bon, et alors, vous avez dit que vous avez été soigné par Didier Raoult avec de l'hydroxychloroquine, mais du pastis. Vous êtes sérieux? Oui. C'est-à-dire que... Mais d'abord, vous êtes allé à Marseille ou vous avez échangé avec lui au téléphone? Échangé au téléphone. Et il vous a dit de prendre du pastis. Parce que ça, j'ai jamais entendu ça. Vous le diluez dans l'eau, le pastis? J'étais un cobaye. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez survivre. Mais vous le diluez dans l'eau, le pastis? Ou vous le prenez comme ça, sec? Dans l'eau. Non, je le prends normalement comme on le prend à Marseille. Et la France se défrancise. Beaucoup de gens disent, on a le sentiment d'être étranger chez soi, ça se voit à l'œil nu, ça se sent partout. Regardez les prénoms, regardez cette dame de Montpellier qui dit au président de la République absolument effaré. Mais ce sont des Français, compris ceux qui ne s'appellent pas Philippe comme vous. Non mais, la France, c'est une histoire qu'on partage, ou alors on s'en va. Un art de vivre qu'on partage, ou alors on s'en va. Ça s'appelle l'assimilation, Ça s'appelle l'assimilation. C'est dans le code civil. Et le drame de la France, et c'est d'ailleurs le cœur de la discussion que j'ai eue et de la rupture avec Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, on est en train d'installer en France un damier, un côte-à-côte qu'avait dénoncé Gérard Collomb avant de partir, l'ancien ministre de l'Intérieur de Macron, un damier, un camailleux. Et ce damier, il produit ce que nous avons sous les yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon Karaoui, qui a fait un livre récemment de l'Institut Montaigne, il parle de 400 000 personnes, comme le tueur de Rambouillet. Premièrement, que les livres d'histoire ne soient pas des livres de propagande. Deuxièmement, que l'occasion, qui est belle, soit saisie par le président de la République pour décrocher et déboulonner les statues de tous les criminels contre l'humanité. Robespierre, Marat, Saint-Just, Thurot, Carrier. Je pense que la France est peut-être en train de mourir. En tout cas, elle est en danger de mort. Nos élites nous font glisser par leur renoncement au bord de l'abîme. Et nous vivons trois grands remplacements. Un remplacement de la population par une autre population. C'est visible à l'œil nu. Un remplacement de notre civilisation par une autre civilisation. C'est visible à l'œil nu. Et un remplacement de nos repères de vie, d'une société millénaire, par une autre société hygiéniste, eugéniste, transhumaniste. On pourrait vous contester les trois observations, puisque c'est à l'œil nu. Donc un autre œil pourrait voir autre chose. Alors, il suffit de descendre dans la rue, celui-là, on va tout de suite y aller, et vous allez comprendre que ce que je dis, c'est de l'ordre de la statistique la plus élémentaire, puisque avec Macron, il y a eu 2 millions d'immigrés supplémentaires qui sont rentrés en France en 5 ans. Les chiffres sont faciles à décomposer. Eric me dit, pardon. Je dis, ouais, c'était l'alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance. C'est l'apport du christianisme. Il me dit oui, parce que s'il y a l'oubli, on devient des barbares. Mais s'il n'y a pas le pardon, la société est invivable. Et là, on se regarde. Il me dit, tu te rends compte, c'était avant Constantin. Il dit, ouais, c'est là qu'a commencé la civilisation. Et tous les deux, on pleure. On se serre dans les bras. Ouais, c'est ça, Zemmour. Et puis, il me dit, c'est beau. C'est beau, la chrétienté. Transformer la France en un camp de rééducation permanente. La mosquée de Strasbourg, la cancel culture, le budget genré, le sapin de Noël. Enfin, on voit bien ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent, c'est changer. Pourquoi il y a une cohérence dans tout ça? Oui, il y a une cohérence dans tout ça. C'est détruire tout ce qui ressemble à l'ancienne société, la société de voisinage, la société du savoir-vivre, la société de la civilité française. Bien sûr, tous les gens qui ont intérêt à faire venir des immigrés à pas cher pour pouvoir casser les prix de la main-d'œuvre, etc. Toute cette cette mondialisation financiarisée, etc., qui est anonyme,
Tous ces gens-là, pour eux, c'est décisif de rester dans l'Union européenne pour pouvoir avoir de l'immigration. C'est ça la question aujourd'hui pour les élites post-nationales des deux côtés de la Manche. En fait, le peuple anglais s'est prononcé. Aujourd'hui, de quoi on parle, on dit ah, il faut un deuxième référendum. Ah oui. Que vous vous souvenez, en 2005, le peuple français a voté à 55%, et on a eu le traité de Lisbonne. Donc, non, il n'y a pas de complotisme. Moi, je trouve cocasse et pour le moins curieux qu'un parti gaulliste, dont la généalogie remonte jusqu'au général de Gaulle, condamne un de ses membres parce que ce membre a cité une phrase du général de Gaulle, puisque c'est lui qui parle d'un pays à dominante de race blanche. Alors moi, vous me demandez ce que je pense, je vais vous le dire, c'est dans mon livre, ma famille s'est toujours battue contre la logique de la race. La France, elle est multiethnique. La Martinique était française avant la Corse. Donc c'est pas la question, mais elle est uniculturelle. C'est une civilisation dont Paul Valéry disait, elle est gréco-latine et judéo-chrétienne. Et moi, Routel-Krieff, je vous regarde dans les yeux et je vous dis, je ne veux pas que la France devienne la fille aînée de l'islam. J'ai reçu Emmanuel Macron au Puy du Fou, puis je lui ai dit, attention, il y a un danger de désintégration, la France peut mourir. Et à chaque fois, il se tournait vers sa femme, Brigitte, et il a raison. Et puis patatras, il y a eu la fête de la musique, il y a eu le doigt d'honneur, et puis il y a eu aussi ces apostrophes, ces anathèmes contre Orban, etc. Et je me dis, mais qui est cet homme? Je ne le reconnais plus. Et moi, je lui dis, mais Emmanuel, reprends-toi. Je vais vous poser la question suivante vous à tous. Vous êtes un drôle de concours. Monsieur Mazauric, restez poli, restez correct. Pas de terrorisme, s'il vous plaît. Je sais que ce sont les méthodes communistes, mais ici, nous sommes dans un climat de civilité. Tout bascule lors d'un dîner à l'Élysée. Il y a Brigitte, il y a Emmanuel Macron, et là on parle de la PMA et on parle de la France. Il maintient que la colonisation est un crime contre l'humanité, il maintient qu'il n'y a pas de culture française. Il m'explique que de toute façon la GPA c'est inéluctable, etc. L'euthanasie et tout ça. Donc je lui dis, vous êtes en train de détruire la société, Emmanuel. Donc je ne vous laisserai pas faire. Je lui dis, en fait, vous allez réaliser la dernière étape dont parle Jean Monnet dans sa conclusion. L'Europe de demain, l'Europe unie, ne sera qu'un palier pour aller vers la gouvernance mondiale. Il me dit, oui, je pense. Je le découvre tel qu'il est, européiste. Il ne veut plus de la souveraineté française. Il n'y croit plus. Mondialiste. Il pense que la France est un morceau du marché planétaire de masse. Et multiculturaliste, c'est-à-dire qu'il fait de la France un terrain d'expérimentation pour une société multiculturelle, donc multiconflictuelle. Donc cet homme est dangereux, c'est un déconstructeur. L'autorité a disparu. L'identité avec Macron, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de culture française, donc il n'y a rien. Donc la France n'est plus souveraine. J'avais un ami qui disait, ben moi je vois autour de moi, l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide. Voilà. En fait, c'est un alchimiste. Alors, il y a Brigitte qui regarde les corps nus. Vous croyez que c'est volontaire? Ah oui, tout à fait. Oui. Il n'a pas le goût de la France. Oui. Il a le goût du monde. C'est un Young Global Leader de Davos. C'est un mondialiste, profondément mondialiste. Il est fasciné par les GAFA, tout ça. Enfin, il ne faut jamais oublier une chose. C'est Emmanuel McKinsey. Quand on disait, pour arrêter la pandémie, il faut rétablir les frontières, il disait, le virus n'a pas de passeport. Le passé récent a démenti tout ce que croyait et contredit tout ce que croyait Macron. Le retour du tragique, la frontière, la souveraineté, l'interdépendance, le doux commerce. Ça, c'est fini. Il a tout faux, en fait. Je voyais très bien ce qui se passait. Le chat jouait avec la souris, mais la question, c'est de savoir qui était la souris. Qui est la souris? Le chat, c'est moi. Et quand je dis la souris, c'est un souriceau. C'est un enfant. Il me rappelle le mot de l'Ecclésiaste, « Malheur au royaume dont le prince est un enfant ». La caractéristique d'un enfant, c'est qu'il joue, il parie, et en même temps, il casse son jouet. Donc je l'ai observé, je l'ai accompagné,
Je vais vous faire une confidence. Elle m'a toujours amusé. Sauf que maintenant, elle ne m'amuse plus parce qu'il est en train de détruire la France. Il suffit de voir son meeting, le dernier meeting. On est dans une mise en scène. La presse a dit Super Bowl, c'est ça. Alors il va d'un prompteur à l'autre. Un mec qui, au bout de 5 ans, a été président de la République et qui a 4 prompteurs, dont un où il dit Brigitte, sur sa femme, il est le prompteur. Donc il n'y a pas un brin de spontanéité, en fait. Mais c'est McKinsey Saint-Simon. Oui, le saint-simonisme, j'ai appris ça à l'ENA. La doctrine de Saint-Simon qui dit il faut substituer à l'administration, au gouvernement des hommes l'administration des choses. C'est le scientisme. Donc il y a ça chez Macron. Et McKinsey, donc il y a l'idée qu'il vaut mieux confier le pouvoir à des cabinets que comme un des mortels. Mais la première chose qui m'avait frappé quand je l'avais vu pour la première fois, c'était son côté enfantin, prime sautier. Et il m'a dit « je prends mon risque ». C'est pas une formule normale, ça. Je prends mon risque. C'est une formule de parieur. Si vous voulez, il me prenait pour un Mohican. Il cherchait la plume. Et moi, je le prenais pour ce qu'il est, le parieur du Touquet.